Mais pour l'heure, c'est Franck qui nous invite dans une boucherie. Certains de ses clients ne s'en sont toujours pas remis. Franck, un couteau à la main, un vrai samouraï. Ce matin, l'équipe de La Grande Illusion s'est installée en plein cœur de Marseille, dans un quartier commerçant. Franck va jouer les apprentis bouchers. Vous allez voir, je suis un expert du couteau. Ma spécialité, c'est la découpe. Un vrai seigneur des couteaux, l'équipe planque les micros et les caméras, des clients vont tourner de l'œil. Le magicien est maladroit. Bonjour madame, on peut vous servir quelque chose? Oui, je voudrais 4 rognonades. Oui, voilà, elles sont là, vous en faites pas. Je connais comme le produit, mais c'est vrai que c'est ma première journée. Vous êtes habitué ici? Oui, oh, bah, bien sûr. Vous me dites... Chef. Pour un pot-au-feu. Pour un pot-au-feu? Oui, 800 grammes. Qu'est-ce que vous me proposez? De la palette. Généralement, on met un peu de palette. Gîte. Oui. Ça, voilà. C'est... Vous me dites, oui, je vais le désosser après. Oui. Vous me dites quel je voulais à peu près comment? C'est pour... non, un morceau, un bon morceau. Un plus grand morceau, oui. D'accord. Comment vous voulez que je le coupe, vous voulez? Je vais le faire entier. Je me suis coupé, c'est regardez. Vous en voulez combien, madame? 3, vous me dites. Hein, vous me dites. Épaisse. Comme ça? Oui. Sinon, ça va être bon, ça va aller, ça va aller. Ça va, madame. Non, regardez, vous avez été piégé par la grande illusion. Là, vous pouvez faire un grand sourire. Non, tout va bien. On a coupé dans l'os, mais regardez. Tout va bien. La vue du sang. Encore une fois, les enfants, n'essayez pas de reproduire chez vous cet effet, car évidemment, seuls des magiciens professionnels peuvent faire ce tour que vous venez de voir.